maintenant, il n'y a plus de mèche maintenant, figurez-vous. Mais non, il n'y a que le cheval. Un peu à la réponse, vous voyez. Qui me dit, maman, vous verrez, Roger Levasque, la confusion de cette musique, elle disposera la cour de l'empereur, et tout rentrera dans l'ordre. Quelle imbécile, quelle imbécile. Et si au contraire cette confusion, comme il dit, les séduisait tous, on dirait même. D'autant qu'en cherchant bien, on peut y trouver quand même deux, trois moments audibles. Enfin, efficaces quand même. C'est vrai, tenez, par exemple, l'ouverture, l'exposition. Oh, ça c'est magique, j'en pleurerai. Tenez, écoutez ça, mes amis, écoutez. Petit pas. Arabesque. Je bloque. Et attention, fraîche coque. Mayonnaise. Oh mon Dieu, j'adore ça. J'adore danser. Je vais remonter pour voir au cas où. Oh mon Dieu, c'est vous, Salieri. Vous m'avez fait de ces peurs. Dites-moi. Il suffit. Oui, papa. Mon cher Rosenberg. La musique de Mozart vous plaît tant que ça? Mais pas du tout! Au contraire, je pestais de rage par la rage. Vous pestiez? Oui, je pestais! Vous pestiez de rage? Oh, non, ça y est, de rage, de rage, de rage! Oh, rage ou désespoir! Oh, vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour ça? Je vous ennuie, hein? Je baille aux corneilles. Écoutez, Salieri, ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail, et Mozart ne peut pas, ne doit pas réussir. Alors nous n'allons pas prendre racine. Vous comprenez? Salieri. J'ai devant l'empereur quelques amis qui seront réservés à cet opéra de Mignerton. Et s'il fait qu'il mérite. Et je coupe le son. Il est bien fait.